Voici la partie 2. Un jour, Sandy est en train de leur faire visiter. Et là, son yacht était vraiment joli. J'ai envie d'aller faire pipi. Les toilettes, c'est là-bas. Regarde, tu vois les toilettes? Oui. Merci beaucoup. Voilà, c'est bien de tirer la chasse d'eau. Allez, continuons la visite. Là, c'est le petit robinet au cas où se lave les mains. C'est super beau, hein, n'est-ce pas? Oh mais non, mais t'es tout sale. Regarde, t'es couvert de terre. Oh non, mais qu'est-ce que je vais faire? On n'a plus de salle de bain. Mais si, t'inquiète, moi j'ai plein d'autres choses dans mon dos. La douche, c'est par là. À droite. Merci beaucoup. Ah, enfin, je préfère ça. Tu es toute propre. Allez, maintenant continuons encore la visite. Là, c'est ici où je dors avec mon petit frère. Mon petit frère, il est en voyage. Il s'appelle comment? Il s'appelle Livian. Livian, très bien. Les lits sont bien confortables. Allez, on continue? Oui. Et tu as trouvé une formule magique pour pouvoir la retransformer en bateau? Enfin, en yacht? Oui, tout à fait. Bateau, bateau, yacht, transforme-toi. Voilà, ma villa est terminée. Ici, là, c'est le petit port où je peux sauter dans l'eau. Magnifique, mais t'as tout ce qu'il faut, toi. Bah oui, c'est normal. Dans mon yacht, je fais plein d'autres choses. Dis donc, t'as un pouvoir magique. Comment ça se fait que tu arrives à faire des pouvoirs magiques? Parce qu'à chaque fois quand j'étais petite, j'avais acheté mon propre yacht. Et mes parents m'ont dit que c'était vraiment magique. Et il va falloir que je travaille très dur pour devenir sous-marine. Parce que tu sais, il va falloir beaucoup de travail pour pouvoir travailler les travaux sous-marins, par exemple, voilà. Ah bah oui, ça a l'air super, j'aimerais bien faire pareil. Oh bah moi aussi, j'adore voyager avec les poissons. En tout cas, si jamais on s'approche des requins, oh là là, tu m'inquiètes. Parce que moi, j'avais déjà vu des poissons chinois. Tu veux que je te montre sur la photo? Vas-y. Mais elle est belle! Waouh, un poisson chinois, il ressemble à un triangle. Mais il est magnifique. Ça vous dirait qu'on fasse une promenade sous-marine? Ouais! C'est la première fois que je voyage sous la mer. Moi aussi, moi j'ai tellement envie de voir les poissons. Oh bah oui, c'est super. Il y a peut-être des poissons chinois dans les parages? Bah ma pauvre chérie, je suis désolée. J'aurais dû les prendre en photo pour mon album. Mais c'est pas grave, même s'il y en a pas. Non, c'est pas grave s'il y en a pas. Mais tant pis, hein, c'est pas grave, on va chercher d'autres. Allez, c'est parti! Waouh! Mais que c'est beau! Oh ben oui, waouh! Mais c'est super! Je vous l'avais bien dit. Je vais prendre les poissons en photo. Clouc! Moi, je regarde sous mer et je fais des petits bisous aux poissons. Je vais pas leur faire du mal. Ben moi, je vais essayer moi aussi de prendre des photos avec Jen. Tu viens, Sandy? Surtout, je veux vous voir. Hein. Je veux pas vous laisser traîner sous la mer. N'est-ce pas, Jean? N'est-ce pas, Justinia? Oui. Justinia? Quoi? Viens voir en dessous. Un requin! Je sais à quoi ressemblaient les requins. J'avais déjà vu des requins il y avait une semaine. Faut pas que je m'approche d'eux. C'est vrai, Sandy me l'a dit. Sandy! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur! Elle est peureuse! Tu sais bien que t'as peur des requins? Quoi? Vous parlez de requins? Tu t'es pas approché d'eux par hasard? Non, j'ai rien approché, j'ai rien touché. Ils m'ont même pas croqué.
Mais j'ai eu peur hein, qu'il voulait me mordre. C'est vrai que c'est vraiment inquiétant. Bon, allez, on sort de l'eau. Oh, s'il te plaît, je peux encore rester. Moi aussi. Bah, c'est déjà l'heure. Hein. Et en plus, il commence à se faire tard. Hein. On va se prendre un petit déjeuner. Oui. On va faire... Rejoins-nous au déjeuner pour la partie 3.